Coucou tout le monde! Alors aujourd'hui, on va jouer à The Ninja Savior Return of the Warrior. Donc je serai en compagnie de Sigmaroid, donc mon grand frère de cœur, pour ce beat'em up entre frères et sœurs. T'es motivé comme d'habitude? Ah ouais, surtout sur Jolo, hein. Ah ouais, hein. Allez. Donc là, mode multiplayer. Voilà. On est parti. Ah bah je vais prendre Kunoichi. Et Je vais moi je prendre la prends. gonzesse. De toute façon, je pense que t'es pas étonné. Je prends Ninja. Ah, il Et y en a alors un qui est boycotté, t'as vu? c'est une tuerie ce jeu. N'en doute pas, vu que ton engouement depuis tout à l'heure, on va bien s'éclater. Et effectivement, déjà quand tu vois les graphismes, ça envoie du pâté. Rien à voir avec la version arcade. Voilà, la version arcade c'était autre chose. Hein. On peut pas dasher? Je sais plus si elle dash, elle. Je sais plus si elle dash. Parfois, quand tu appuies sur le bouton d'attaque, tu te protèges. Le bouton d'attaque en le maintenant, c'est ce que tu m'avais dit. Ouais. Ah, c'est ça. Ah, mais tu fais ça comment toi? Le coup que t'as fait? On n'a pas les mêmes coups. Moi Chaque je fais quoi comme coup? ninja a ses propres coups. Alors je crois Mais que t'appuies sur. si tu fais le bouton d'attaque et le saut en même temps, tu fais des saltos. Voilà. Essaye Il a de. la même figure que Zéro dans Mega Man. Je trouve, pas toi? Après, tu as aussi un bouton pour la bombe. C'est la barre qui est en bas de l'écran, Maths, là. Maths. Ouais, bah c'est Ouais, toi, j'ai trouvé. t'as trouvé. J'ai testé. Et C'était donc, en B. la barre armure, c'est notre barre de vie. Partage la même barre de vie. Hein. Ça, c'est de la vie. Ah, franchement, je kiffe. Hein. Je te l'avais dit. Il envoie du lourd. Bah, je ferai celui-là avec Guigui vendredi juste après. Je crois qu'il va bien s'éclater là. Par contre, ils lui ont fait une sacrée paire d'euros plouplou, la Ninja. Hein. Sur Super NES, c'était pareil. Sur Super NES, c'était pareil. Ah, ça se voyait moins. Ah, de sacré airbag. Hein. En fait, c'est le bouclier féminin. Voilà. Moi, quand j'y pense, j'ai pas un gros bouclier. C'est pas juste. Allez, on y va. Ouais. Il est impressionnant le boss, hein. Ah. Y a plus de voiture. L'impression que. Mais tu vois, quand tu dashes, tu fais ça comment, là, l'espèce de. Un peu comme M. Bison quand il fait sa balayette, tu fais ça comment toi? Tu peux pas le faire, toi. Chaque ninja a ses coups. Tu appuies sur quel bouton? Parce que je pense que je dois avoir un autre coup, c'est ce que j'essaie de te dire. Moi, j'appuie sur le bouton de saut, puis avant. D'accord, voilà, c'est ce que je voulais savoir. Mais je me doute que j'ai pas le même coup que toi en fait. Chaque personnage a son propre. Ah, peut-être qu'elle fait un dash quand même, mais elle doit choper un ennemi, je crois, avec son dash. C'est une bête connerie. D'accord. Non, bah moi je fais rien en fait. Après, je crois qu'en appuyant sur Star, je crois que tu as les commandes de ton personnage, non? Attends. Option. Regardez. Manual. Non, non, pas ici, pas ici, pas ici. Reviens en arrière.
Manuel. Interface. Ah ouais, d'accord, ouais. Walk, jump, attaque, XO, big. Donc là, c'est X, O, O. Ouais, mais il n'y a pas d'haché. Charge d'attaque, non. Attends, regarde-là. Ouais. Non. Bon, moi, je non, il n'y a connais. pas de dash. Moi, je connais mes coups. Moi, je connais mes coups. Ouais, tu connais tes coups. Non, résume, résume. Non, 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 non. 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 Résume. Non. Résume. Voilà. Ah ouais, j'ai fait un espèce de lancer de... Ouais, c'est quand tu appuies sur... Ça, c'est quand tu appuies sur haut et attaque. Ça consomme de la barre Voilà, c'est ça, ouais, j'ai vu. De puissance. Elle fait là, à peu près la même chose qu'Ibuki dans Street Fighter 4 et dans Street Fighter 3 Strike. Mais ça consomme de la barre de puissance de en bas. L'énergie. C'est nul ça. Même toi, tu consommes de la vie en fait. Non, c'est pas de la vie, hein. La barre de puissance, pas pareil. D'accord. Ouais, c'est ça. Ouais, mais je te dis, elle dégaine de zéro dans Megaman. Alors, je sais pas si c'est les couleurs qui font ça, mais bon. Enfin, Non, pas tellement. Ah, c'est la chevelure, le fait qu'elle est en rouge, tu vois. Ça fait penser à zéro de Megaman. Ouais, j'ai compris. J'ai compris comment ça fonctionne. Et graphiquement, c'est vraiment super joli. Il est superbe. Ouais. Alors toi, j'ai tu peux cassé pas dé... une commande de contrôle. Toi, tu peux pas te déplacer avec les ordinateurs. Moi, je peux me déplacer parce que je suis lourd. Elle est beaucoup plus menue que ton personnage, hein, la mienne. Hein. Menue? Bah, toute fine. Ah ouais? On va faire gaffe à notre jauge de vie, on a presque plus de vie. Hein. Mais je crois qu'on a eu un checkpoint là. Ah, c'est bien ça, il y a des checkpoints. Hein. Voilà. Bon, faire gaffe, ici il va y avoir des ventilateurs. Ne passe pas maintenant. Non, 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 non. Attends que ça s'arrête. Voilà. Ouais. Ça se remet en route après. Ouais. Et pourquoi ils ont du sang vert? Je suis en train de percuter, c'est pas des humains? Non, c'est tout des humanoïdes. Attends, une bombe. Ah, on aurait dû utiliser la bombe ici. Voilà, on est mort. Ouais. On va revenir au checkpoint. Et on est des en somme, game over. Yes, ah yes. Et on n'a pas dit notre dernier mot, hein. Hein, Jean-Pierre? Oui. Et tu vois, il y a aussi un 1 et un 5 là-bas au bout. Ces deux personnages-là, tu les débloques en finissant le jeu une fois. D'accord. Il y en a un, il fait tout l'écran, un des personnages.
Ah bah il y en a qui ont des proportions démesurées quoi. Ah mais il y a encore plus grand que le mien. Ah bah ouais, mais en général les gros personnages c'est comme dans Street of Rage 4, regarde Max il est gros mais il est hyper lent hein. Ça c'est même Floyd. Non, là, mais... C'est le problème de tous les non mais le cinquième personnage, sa tête elle va carrément en haut de l'écran. Hein. Il est tellement grand. Hein. Ouais bah, je comprends mais il doit être super lent. Oui. C'est ce que je viens de te dire, c'est la problématique de tous les gros personnages, hein, même dans les jeux de combat. Par exemple, dans Street Fighter V, tu as Abigail, il est super grand, et tu le retrouves aussi dans Final Fight, en plus, Abigail. Donc, ouais, ouais. Bien. Mais il est super grand, mais il est très très lent. Hein. Même après, tu as T-Wok dans Street Fighter qui est super lent. Mais ils sont puissants. Indien. Et Zangief aussi. Quoique dans Street 5, ça va, Zangief, il est moins lent. Même dans le 4, ça va. C'est plus dans les Street Fighter 2 qu'il est lent, Zangief. D'ailleurs, c'était Mathilde qui avait râlé quand elle avait joué avec toi. Elle avait fait un Street Fighter, elle avait pris T-Wak, elle avait perdu, elle avait râlé. Ah ouais. Elle avait été prendre T-Wak, hein, franchement. Et toi, je crois que t'avais Ryu, toi. Utilise pas les kunai ici. Utilise pas les kunai. D'accord. On va attendre que la bombe elle se remplit là. Je voudrais bien avoir la même chevelure que la fille. Hein. C'est la chevelure L'Oréal parce que je le vaux bien. Non, tu n'utilises pas les kunai. Ça se fait tout seul. Viens pas, toi. J'attends. Ah ouais, c'est parce que tu attends que ça. Voilà, là, je vais utiliser la bombe quand ils vont tous arriver en même temps. Mais en fait, ils suicident tout seul, là, les ennemis. Ouais. Attention. Je crois que c'est là. Voilà. On y va. Alors la version SNES, c'est les deux mêmes personnages, sauf que c'est pas du tout le même level. Non. Hein. Non, non, c'est la version arcade que t'as fait, c'est pas la version SNES. La version, ouais, mais c'est la version arcade avec des graphismes, c'est un peu de la SNES. Hein. C'est... Oh non, pas du tout. C'est pas mirobolant, on va dire. La version SNES, elle ressemble à celle-là. Ouais. Franchement, pour une version arcade, la version que j'ai jouée hier, elle était vraiment pas terrible. Et je vais la faire quand même vendredi en guise de troll. Pour faire rager Guigui. Pour l'embêter. Bon, le boss, il va arriver ici. Il va sortir. D'accord. Allez, on y va. Je m'occupe des petits là. Massacre à la tronçonneuse. Eh merde. On s'est fait tuer. Ouais. Bah on est des robots aussi, en fait. On est des robots. Hein. On est des cyber ninjas, en fait. On y pense. Ah, ils en mettent l'or. Bon, faut qu'on gère la barre de vie. Hein. Je regarderai la fin de mon let's play sur Mickey Mania. Ouais. J'ai bien géré hein, ce matin. Allez, viens. Allez, viens, grand frère. On va tout casser. On va tout péter. Bah les rouquines. Un génocide de rousse, t'as vu? Ouais. Je suis pas d'accord, hein. Moi je me sens concernée maintenant. Attention.
sont tellement cons. Bah ouais. Ah mais les ennemis par moi ils réfléchissent pas. Là on fait pareil, on attend que la bombe elle est remplie. Attends, je mets du truc. On est en train de faire une vidéo, hein, chérie. Hein. Oui, je préfère te le dire. Hein. Ouais, je sais, c'est l'étincelle des enfers. Oui, et je te préviens, c'est pour dire de ne pas faire de boulettes. Hein. Allez, on continue. Non ! Non, j'attends de passer. Oh bordel. Ah c'est mieux là, on est mieux. Essaie de garder la bombe pour le boss. Balance pas des knives. Ouais. Déjà je vais le choper dès le début là. Dès qu'il y aura du monde, on balance la bombe. Vas-y. Ah, c'est quoi tout ça? C'est bon. Je l'ai eu. Non, je l'ai eu. Mis le coup final. Je l'ai eu. J'ai pas mis le coup final avec un kunai ? Non, c'est moi. Je lui ai donné un coup de pied. Ouais. Parce que, alors, le kunai est arrivé juste après, alors. Voilà. Ah, tu connais Jean-Pierre Papin ? Là, t'as Jean-Pierre Parpin. Ah, exact. Bien vu. Ils vont m'embêter avec ces... Et oui, il y en avait dans la version arcade des cracheurs de feu. Ils étaient chiants. Ah ouais, je sais. Il m'énerve avec ses égards d'estomac, lui. Bien, dégage. Ok, on a checkpoint ici. Ah, on y va. Eh ben mec, sa chevelure, elle a fait une projection, t'as vu ? Ah ouais. Elle a fait la métalleuse. Et elle a fait comme le boss final de Shinobi. Il balance sa chevelure, qui est bien chiant. C'est bon. Ouais, c'est la classe, ça. Je vais laisser pousser mes cheveux, je vais faire pareil. Ça fera son petit effet. Ok, on a checkpoint ici.
Ouais. On y va. Il ne reste plus grand-chose en énergie. Hein. Non. Non. Allez, on y va. Il y a un checkpoint de toute façon. Mm-hmm. Allez, on y retourne. On persévère. Un grand frère. Il y a 8 stages dans le jeu. Ouais, bah ça va. Raisonnable. Et les continues sont infinies. Ce Punisher, hier, j'y ai joué. Il est rapide. Hein. Il y a quoi? Il y a 6 stages. Plus. C'était vite emballé et pesé. Hein. Bon, moi, les caisses de vie, moi je les embarque avec moi pour les. Ah, t'aurais pas dû le prendre vu qu'on était encore fuel. Ah bon. Je les embarque avec moi pour les rapprocher plus loin. Vu que toi tu peux pas te déplacer avec les caisses, moi je peux. Ah, les Arnold. La caisse, prends-la pas. Allez, on y va, on est sérieux. Prends-la pas, la caisse. Je vais la... Ah, merde, t'aurais pas dû la prendre. Ah, bah, je voulais la balancer aussi. Ah, mais je voulais la rapprocher. Le boss et le. Ah, non, mais la prends de l'autre côté. On peut pas le prendre. Ah, si, c'est bon, on a pu le prendre. Tu l'as pris ? Ouais. On aurait pu laisser la caisse ici, là. Maintenant, on va voir si on va réussir à avoir le boss. Attends que la bombe va les remplir. Allez. Tu l'as balancé, là ? Ouais, ouais. Attention, il va lancer des bombes. Ils sont invisibles.
transparent, sans être transparent, ça me fait penser, c'est dans Street of Rage 3, t'as trois samouraïs qui sont comme ça, transparents, tu te rappelles? Ah, par contre, il est tout seul. Voilà, hop. On l'a eu à deux en même temps. Ouais. La classe, hein. Tu lui as mis un coup sauté et moi un coup de nunchaku. Il a été sonné. Pris une bombe. Pas assez, grand frère. On va se faire charrier. On est trop timide aujourd'hui. Allez. Faut tout péter. Mort. Oh putain. On va retourner au début du niveau là. Ouais. Ouais. Il doit avoir plus de personnages vu qu'il y a 5 portes là. Bah, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ouais. J'ai dit, il y a un troisième, il y a le cinquième personnage, il fait tout l'écran. Ouais, c'est ce que tu m'avais dit. Oui. Et puis le quatrième, c'est une autre fille. Elle est toute petite, par contre, elle. Elle est toute petite. Ah, il m'a piqué toute mon énergie, enfin notre énergie. Enfin, c'est la barre de puissance qui a pris cher. C'est putain de bombe là. Allez, c'est bon. Ouais, mais bon. Bon, si on passe cet écran-là, on a un checkpoint. Attention qu'on a la bombe. Attends qu'on a la bombe. Là. Ah, tu as utilisé. Ouais.
Voilà, là on a checkpoint. Bon, là on va sans doute crever. Ah bah super, on est mort. On n'avait plus un notre barre de vie. La voiture que j'avais vue, elle me faisait penser à la voiture qu'il y a dans le bonus stage de Street Fighter 2. Ah ouais. Non, c'est pas ici, si c'est ici. Planque-toi ici, là. Non, c'était l'autre. Ouais. Tout juste. Là, attends que la bombe, elle est là. Hein. Ah merde. Ça va être chaud là. Viens dans mon coin. Il ne pourra pas te toucher dans le coin. Voilà, trop tard. Bon, c'est le dernier écran avant le boss. Merde. Ah, méfie-toi du marron, hein. Enfin du noir. Il fait des balayettes, bien. C'est bon. Et là, on va affronter un boss, on dirait Saddam Hussein, tu verras. Ah ouais, carrément. Carrément. Là, il nous reste plus grand-chose en énergie. On revient à lui, si on meurt. Ok. Bon, on est mort. Non, on revient à lui. Ça. On revient à l'or. Ah ouais, ouais. Allez. Tu as. Attention, reste pas là. Reste pas là, mais c'est moi qui se prends. Un gros bol à con. Ah bah, il y a la bougeotte, hein, Saddam Hussein. Hein. Ah ouais. Il y a la bougeotte.
Ah merde. On est à la fin. Enfin non, il reste un tiers de la barre. Faut essayer de garder la bombe, pas balancer les cunailles. Ouais. Dès que tu vois qu'elle est remplie, tu appuies sur le bouton B. Hein. Comme moi, c'est pareil. Ok. Est presque rempli. Non ! Prends, saloperie. Allez. Ouais, c'est fait. Plus de Saddam Hussein. On a fait la moitié du jeu. Ouais, il y a 8 stages donc, ouais. C'est pour dire un espèce de musée là. Bah, on va rentrer dans le quartier général. Des malfrats. Ah, oh, saloperie. Le gros là, bah, c'est le premier boss qui revient. Reste pas à côté de lui. Ouais, c'était lui. Ah, bah là, on est mal. Non, mais reste pas à côté de lui dès qu'il arrive. Hein. Et surtout, il y a un truc que tu fais pas, protège-toi souvent. Ouais, en maintenant la touche pour attaquer. Ah, ouais, c'est très efficace. Hein. Pour passer derrière les ennemis et tout et tout. Déjà avec ton salto, tu peux passer derrière les robots. Saleté. Garde la bombe. Tire pas de cunaille. Attends que la bombe elle est remplie là. Viens ici de mon côté, parce que tu vas te faire niquer par le gros. Hop là. Mais de manière, il vient vers nous. Fais comme moi, protège-toi en même temps.
hop, voilà. Là-bas, c'est la protection. Ouais, là, ça va. C'était mieux. Je vais l'embarquer avec moi, ça. Voilà. Ouais. Oh, puis c'est une petite. Allez, si on passe cet écran-là, il y a un checkpoint. Ah, si on passe, quoi? Si on passe cet écran-là, il y a un checkpoint. D'accord. Voilà. On y va. On mord, lui. Dégage. Oh, putain, là. Faut hésiter, là. Ouais. Les décors, là, ils sont beaux, là. J'aime bien tout ce qui est décor un peu japonisant, là. Il est vraiment beau, là. Celui-là. Ce niveau-là. Ah, ouais. Il prend la vie. Voilà, parfait. Ouais, là. Tu comprends pourquoi je te dis faut garder les bombes. Il est encore mort le mien. Maintenant oui. Bon, si on passe cet écran-là, il y a un checkpoint. Ok, nouveau boss. Et pour moi, celui-ci, c'est le boss le plus dur du jeu. Celui-ci, c'est le plus dur. Ah, je l'aime pas, c'est une vraie saloperie, ça. Ah bah déjà, quand tu vois le Skyrim du monsieur, t'as compris. Ignoble, celui-là. Il m'a jeté. Ah, oh, on s'est fait avoir. Bon, en même temps, on n'avait pas toute notre vie. Ouais, donc on n'était pas au bon de nos
potentiel. Donc là, on retourne là. Ouais, ouais, on est à lui. Ouais. Ah, dommage. Oh putain de cracheur de feu. Et oui, c'est le boss le plus chaud. Ouais. Mais on va y arriver. Il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Et il a la classe, hein, ce boss-là. C'est le choper. Oh putain, il est chiant. Ah, oh, quelle horreur! Oh, on était presque. À chaque fois, on se rapproche. À chaque fois. Ouais, c'est rageant quand même. Je dirais que c'est la bonne. Je vais essayer de le choper dès le début. Ah, j'ai lâché. Ah, la bombe, elle était presque remplie. Ah, oh, mais il est chiant. Oh la vache. On va y arriver. T'es un sachouillole. Oh, tu l'as eu. J'ai pas les éthers. Pour moi, c'est le pire boss. Avec le petit cri à la fin.
Le dernier aussi, mais le dernier, c'est pas qu'il est dur, c'est qu'il faut utiliser une technique assez spéciale pour l'avoir. Et stratégique. Disons, tu vois la technique Shredder, Turtle in Time, il faut lui balancer ses gars. Oui. C'est à peu près pareil Ah ici. d'accord, donc il a ses stratèges. Il va falloir lui balancer ses gars. Alors ce stage-là, le stage 6, il est très très court. Hein. C'est juste une ligne droite. Le stage 6, il est très court. Celui-ci est très court. Par contre, je viens de m'apercevoir qu'ils nous ont pas mis toute notre vie. T'as remarqué? Notre barre de vie. Ouais, bah, parce Ils qu'on a l'ont notre barre de vie. permis à fond. Ah ouais, bah ça c'est pour dire que ça devient plus difficile. Ouais, mais si on fait game over, elle sera à fond. Alors. Si on fait game over, on va retrouver, ça va, tout va gérer, se régénérer. Là, c'est déjà à la fin du stage 6, ça. C'est le dernier écran avant le boss. Hein. Laisse-le approcher, laisse-le approcher. Ah, je le tenais. Quand il n'y a plus de tête, il faut attaquer par derrière. Voilà, on est Joe au boss. Ah, Il est le boss, rapide. c'est lui. Il est rapide au stage 6. Hein. Par contre, le boss. Ah ouais, quand même. Voilà. Un, deux? Deux. Ah d'accord, ok. À chacun, quoi. On est J'ai même pas le mort. temps de bloquer. J'ai même pas le temps de bloquer. Toute façon, on n'avait même pas toute notre vie. On revient à eux. On revient à eux. On Ah. reste combien de stages? Deux après celui-là, c'est tout. Deux après celui-là. Okay. On y retourne. Il m'énerve R2-D2 là. Ah là là. On a encore explosé. Ouais, tu t'es pris un laser. Oui, on y retourne. Mais il est pas dur celui-là comme boss, mais. C'est chiant. Les petits ennemis casse-couilles qui sont chiants. C'est toujours ça, hein, dans tous les beat'em up, t'as tout le temps des petits ennemis pour nous casser les robinets, alors, entre guillemets. Ah ouais. C'est pas les boss qui sont en fait, c'est les petits ennemis. Faut souvent se protéger ici. Ah ouais. Se protéger quand t'es dans les airs, par contre, c'est pas facile. Bon, le temps. Oh là là là. C'est bon. Vous avez
On les a eus. Ouais, on y arrive. On gère le steak, t'as vu ça, grand frère? Ouais. Alors, prochain stage, c'est là que c'est ma musique préférée. J'adore la musique du stage 7. On y va. Effectivement, les classes. Du hard rock. Elle booste la musique. Ouais. Au niveau des décors, c'est assez varié aussi. Hein. Ouais. Il prend la vie. Attends, une bombe. Tiens, il y en a une autre là. On voit rien avec ce pont. Bombe. Checkpoint. Et on est déjà au boss? Non. Ah, je vais lui dire. Alors là, avant... Non, c'est bon. Il est mort ou pas? Non. Alors là, ici, on va avancer. Non, non, c'est pas encore maintenant. C'est après ça. Alors ici, dès que tu vois les 4 robots, attends, qu'il y a les 4 robots qui arrivent en même temps. Il va y avoir 4 robots qui vont venir, on va utiliser une bombe. Attends qu'ils arrivent, tous les 4. Viens par là. Maintenant. Allez, hop là. C'est pas grave, de toute façon on avait pas toute notre vie qu'on arrivait ici. Donc c'est pas trop grave. Non. On avait même pas le cas. Déjà une heure de gameplay. Il y a quand même une sacrée durée de vie le jeu. Hein. Donc, ça fait déjà une heure qu'on joue. Bah moi je le finis en 45 minutes hein, seul.
Là, pareil, on va attendre qu'elle ait 4 robots. Ouais. Merde, non! Bon, elle va t'empire. On y va, on continue. Non, non, reste pas de bon. On n'y arrivera pas là. Par derrière lui, derrière lui. Ah, oh, il marche au pilote derrière. Ouais. C'est bien dur, hein, quand même. Il faut bien gérer les 4 robots. Oui, non. Oublie pas ta garde. Ça marche. Enfoiré. On y va. Ça sert à rien les cunailles. Oh là là, on va se faire avoir là. La garde. Ouais, mais bon, il restait que un carré d'énergie, ça change rien. De toute façon, on se serait fait buter quand même hein, pour ce qui nous restait. Dès que tu arrives dans ce combat-là, laisse ton doigt appuyé sur le bouton d'attaque. Mets-toi en garde. Et mais puis, fais un seul tour. Fais un seul tour derrière eux pour les attaquer. Le dernier. Allez. N'oublie pas, la garde. Alors. Il reste 3. Non, mais même avec la garde, ça marche pas là. Ah, moi, ça marche. Il
C'est pas évident ce passage, hein. Ah non, il est chiant. Je sais pas combien de fois qu'on va essayer. C'est la troisième, la quatrième. Ouais, moi. Alors toi, le cracheur de feu. C'est très mal parti. Ouais. Ah, on y arrive. Putain, il m'a chopé. Oh là là. On va y arriver, bon. Ça vient casse-pied. Essaye de faire ton salto pour passer derrière eux. Tu fais la guerre des sauts. Le salto, c'est guerre des sauts, c'est ça? La guerre des sauts, puis une direction. Ah, c'est ça, le salto. Non, un truc comme ça, regarde. Hop. Ouais, tu fais ça comment? Tu appuies sur le bouton de garde, tu avances et puis tu as le bouton de saut. Ah, je ne comprends pas parce que. Attends. Là, ça me perturbe ton truc. Voilà ça. Ouais, ça. Tu peux passer ça, derrière les robots avec ça. Ouais. N'oublie pas, salto. On est passé. Ah, non, il y a encore lui. Encore lui. C'est bon. On peut y aller enfin. Et que sur un beat'em up sans ascenseur. Hein. Ah ouais. Ah bah ouais. T'as remarqué, il y en a toujours. C'est la tradition, on va dire. Je les envoie. Sandwich d'ennemis, t'as vu ça? Ouais. On y va. Ça bolle du nucléaire partout, là.
Dis au hasard. Au prochain ascenseur, on a un checkpoint. Vas-y, bombe. Ouais, on y va. Ok, là on a checkpoint ici. Oui, ta petite sœur elle est à fond. Moi je reste dans mon coin parce que je sais qu'ils vont venir là. Non mais je vais aller dans mon coin. Ouais. Alors t'as hâte d'être vendredi soir aussi. Ah ouais. Ça va être bien encore. On va encore passer une bonne soirée. Bah c'est demain. Ouais, c'est demain. Iggy est content parce qu'on va faire deux beat'em up. J'aurais bien voulu le faire essayer Sailor Moon, mais le problème c'est que ça risque de faire deux fois d'affilée. Donc, de toute façon, je le fais dimanche avec les directros. Ah ouais. Et la connaissance, elle va le mettre aussi sur sa chaîne parce qu'elle adore Sailor Moon. Bon, attention ici. On a une bombe en plus. Parfait. Sors ta gueule. C'est bizarre ce boss. Ouais. On a un bombe. Bulk. Oh non, pas des robots. Okay. Ils sont chiants les robots. Oh, il est presque mort. Il n'y a plus de vie, putain. C'est bon. Venu. Putain, je l'ai eu. Dernier stage. J'ai mis le coup final. En plein dans les bijoux de famille, ça fait mal. Hein. Et au suivant, dernier stage. Alors ici, on a le choix. Soit on va à gauche, soit à droite. Décide. Bah, on va par là. Mmh. Par là. Si on aurait été à gauche, on aurait eu des salles de laser. Ah, fallait me le dire aussi, t'as attendu. C'est pas grave. Donc c'est mieux là. Ouais, parce que c'est mieux. On aurait été embêté avec les lasers, donc... Ça aurait touché aussi les ennemis laser. Mais bon, c'est aussi bien des deux côtés. Ah, oh, t'as un joker de merde là. Non. Oh là. De toute façon, on n'est pas arrivé avec toute notre vie. Ah oui. Il va être long, let's play. Ouais. Attends, je vais mettre le jeu en pause. Ça, c'est parfait. Ferme, ferme, parce que là, j'ai un appel. Je mets une pause.